Le théâtre, d'abord, c'est la vie. Point de départ indispensable. Parce que finalement, il n'y a rien d'autre qui puisse nous intéresser réellement que ce qui fait partie, dans le sens le plus large possible, du mot, de la vie. Le théâtre est la vie. En même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucune différence. On va au théâtre pour retrouver la vie. Mais s'il n'y a aucune différence entre la vie en dehors du théâtre, la vie à l'intérieur du théâtre, alors le théâtre n'a aucun sens et ce n'est pas la peine d'en faire. Mais si on accepte que la vie dans le théâtre est plus visible, plus lisible qu'à l'extérieur, on voit que c'est la même chose, mais un peu autrement. Cette vie-là est plus lisible et plus intense parce qu'elle est plus concentrée. Le fait même de réduire l'espace et ramasser le temps crée une concentration. Allez vers lui et dites-lui bonjour. Vous voyez, c'était tout à fait charmant. Mais est-ce qu'on peut dire que les 5 secondes étaient remplies avec une telle pureté, une telle qualité, telle finesse qu'à chaque moment, c'était inoubliable? Si on peut dire oui, et si en même temps on peut dire c'était naturel, alors c'est ce qu'ils viennent de faire, transformer en événement théâtral. Je me souviens, j'avais 6 ans. C'était pour la Trinité. J'étais assis sur cette fenêtre et je regardais mon père qui allait à l'église. On a emporté toutes les affaires? On dirait bien. Et puis qu'on veille à ce que tout soit en ordre. Soyez tranquille, Ermolaï Alexievitch. Qu'est-ce qui t'a eu à te voir? Je viens de boire de l'eau et j'ai avalé quelque chose. Ignorance. Pour qu'il y ait cette différence entre le théâtre et le non-théâtre, la vie de tous les jours et la vie dans un espace théâtral, cette compression dans l'espace et dans le temps est inséparable d'une intensification de l'énergie. Donc, créer cet espace extraordinairement intense n'est pas assez s'il n'y a pas une seconde par seconde une étincelle à l'intérieur. C'est presque surhumain de pouvoir continuellement renouveler l'intérêt, trouver cette nouveauté, cette fraîcheur, cette intensité, seconde après seconde. Mais Ara, mais c'est ça. Mais Mâche, mais Thoreau, Michel, votre pied. Ma capitale, mes terres, c'est son maire, mon royaume, tous mes sujets, tout ce que je possède. Quelque chose de qualité puisse se faire, d'abord, il faut qu'un espace vide se crée. Un espace vide permet
un nouveau phénomène de prendre vie. Si vous regardez bien, tous les domaines du spectacle, tout ce qui touche au contenu, au sens, à la parole, à la musique, aux gestes, à la relation, à l'impact, aux souvenirs qu'on puisse garder, tout cela existe uniquement si cette possibilité d'expérience fraîche et neuve existe, et aucune expérience fraîche et neuve n'est possible si n'existe pas préalablement un espace nu, vierge, pur pour le recevoir. Un des aspects absolument inhérents et inévitables d'un espace vide est l'absence de décor. C'est pas pour dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste pour encore couper les cheveux en quatre et dire que si cet espace est vide, il est vide parce qu'il n'y a pas de décor. S'il y en a un décor, il n'est pas vide. Il n'est pas vide parce qu'il est encombré, même s'il s'agit des éléments de grande beauté. Mais aussi, l'esprit du spectateur est déjà meublé. Je vais vers vous, venez. Et je dis, ah, Monsieur Livingstone. Alors, tout de suite, dans votre imagination, vous voyez des palmiers, on est en Afrique. Mais si, par exemple, il vient vers moi et me demande où est le métro, par exemple. S'il vous plaît, où est le métro? Alors, vous projetez tout de suite derrière nous, pas les palmiers de l'Afrique, parce que, sauf si moi je réponds, le métro, et vous vous rendez compte qu'ici, au milieu de l'Afrique, il y a tout pour la vie, sauf le métro. Alors, vous voyez que dans l'imagination, il y a quelque chose d'assez étrange qui se passe parce que l'un des deux est fou. Vous savez,
Si on veut toucher fortement le spectateur, c'est-à-dire aider le spectateur de s'ouvrir à un monde qui est lié à notre monde et en même temps plus large, plus riche, plus mystérieux que le monde que nous connaissons tous les jours, il y a deux méthodes. Une méthode, c'est par la beauté. Pour que l'imagination soit émerveillée, on cherche que dans tous les éléments, il y ait une vraie recherche de beauté. Par exemple, vous prenez le kabuki ou le katakali, vous voyez comme il y a cette recherche dans les ongles, dans le maquillage, dans le moindre accessoire, de la perfection. Ça, c'est une manière de chercher. L'autre est exactement le contraire, qui dit que l'acteur possède une possibilité extraordinaire si il arrive à créer un lien entre sa propre imagination et l'imagination virtuelle du spectateur, qui est de transformer l'objet banal en objet magique. L'imagination est un muscle, et comme un muscle. Alors si, par exemple, je prends ça, c'est la tour de Pise. Est-ce qu'un jour, elle va tomber? Et si vraiment, mais je ne veux pas le faire, je vais laisser tomber et ça éclater, ça pourrait être assez frappant. On pourrait imaginer une scène, même dans un opéra, une scène chantée ou quelqu'un chantait du jour où il y aurait un tremblement de terre et la tour de Pise tomberait. Et ça pourrait créer une image plus forte que l'image banale des effets spéciaux au cinéma, où on verrait reconstruire avec des milliards une vraie tour, un vrai tremblement de terre, une tour qui tombe, qu'on a vu mille fois. Et l'imagination, ce muscle, serait moins satisfaite. L'imagination joue ce genre de jeu avec plaisir. Mais c'est à condition que l'être humain soit nulle part. Dans ma chair comme un serpent. C'est une flèche d'Arjuna. L'essentiel est de parler de l'invisible rendu visible. Presque tout le théâtre contemporain reconnaît ce grand monde freudien en partie, où derrière le geste ou la parole apparente, il y a la zone invisible où se situent ces impulsions de l'ego, du super-ego, refoulées en partie, complètement, conscient, inconscient. Derrière cela, il y a encore une autre zone, plus invisible, encore plus loin des formes que nous sommes capables de lire, d'enregistrer, mais qui contient des
des sources d'énergie très très fortes qui nous guident vers la qualité. Toute impulsion humaine vers ce qu'on appelle d'une manière vague, floue et maladroite la qualité viennent d'une source dont nous ignorons entièrement la nature, mais que nous sommes tous parfaitement capables soit de reconnaître à certains moments en nous-mêmes et aussi à reconnaître quand ça se manifeste à travers l'action d'une autre personne et qui se communique pas à travers le bruit, mais à travers le silence. Alors, c'est ça qu'on appelle, parce qu'il faut pour nous des mots, sacré. On reconnaît que si on est à la recherche du sacré, ou bien, pour chacun, c'est une décision tout à fait personnelle selon l'expérience de chacun, mais là on ne peut pas transiger, ou bien c'est toujours là à chaque instant, ou c'est nulle part. L'invisible n'est pas obligé, n'a pas la nécessité ni l'obligation pour plaire à tout le monde de se rendre visible. L'invisible peut se manifester à n'importe quel moment, n'importe où, à travers n'importe quelle personne, pourvu que les conditions soient justes. Je vous jure que quelqu'un dans un état de réceptivité et de talent et de créativité suffisamment juste pourrait sacraliser cette beauté, c'est-à-dire que cette beauté pourrait être transformée et imprégnée par l'apparition de l'invisible. C'est la transformation en termes de qualité de ce qui n'est pas sacré au départ. Parce que le théâtre passe à travers des hommes et des thèmes, des événements et des relations humaines qui, obligatoirement, parce qu'ils appartiennent au monde des hommes, ne sont pas sacrés. Donc, c'est l'invisible qui apparaît à travers le visible, qui est la vie des hommes. Et le jeta en riant dans l'eau du fleuve. Pas de questions. Se disait Santanou, je ne dois poser aucune question. L'année suivante, elle eut un autre enfant. Elle lui cria, je t'aime. Et le noya. Pas de questions, se dit Santanou, et ainsi de suite. Pendant 7 ans, la 8e année, un 8e enfant naquit. Je t'aime. Arrête! Arrête-toi! Pourquoi ces meurtres? Pourquoi détruis-tu ces enfants? Que vous allez au théâtre et vous vous ennuyez secrètement, ayez le courage de ne pas le cacher, ne pas sentir que vous êtes coupable, qu'il y a quelque chose qui est de votre faute.
soyez pas matraqué par la belle idée de la culture. Posez bien la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui manque en vous, ou est-ce que ça manque de l'autre côté dans le spectacle? Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois.